Finally got to go out the door. That was something different too. And I figured that would never happen without the preparation we had training the team. And so I'd like it. And so I figure I could stand here standing enough. h45, le 9 septembre 2006. La mission STS-115 avait été lancée comme prévu depuis le 30 septembre, située au Centre Spatial Kennedy en Floride. Cependant, la NASA avait retardé le programme de retour de un jour, à cause d'une rencontre mystérieuse avec un objet le 19 septembre. Un objet qui demeurait dans les hautes couches de l'atmosphère, et ce depuis 24 heures, ce qui rendait la trajectoire de retour pour la navette impossible. Bien que la NASA ait annoncé dans un premier temps qu'il s'agissait de débris spatiaux, de la glace ou même d'un sac quelconque qui pourrait traîner dans l'espace, elle reconnut finalement ignorer la nature de l'objet. La NASA employa le terme d'objet étranger. Une fois sur Terre, durant la conférence de presse de l'équipage, voici ce qui se produisit lorsque l'astronaute Stephanie Shine Piper voulut décrire cette rencontre. L'astronaute Stephanie Shine Piper, membre de l'équipage de la navette STS-51, s'évanouit en racontant son expérience. Cette expérience étant l'observation d'un étrange objet très proche de la navette, tandis qu'elle essayait d'effectuer une manœuvre à l'extérieur du vaisseau. Elle tente de poursuivre sa description. Je suis malade. Cependant, en se remémorant cette rencontre inattendue, elle est de nouveau victime d'un malaise. Elle est alors évacuée hors de la salle afin d'être examinée. Question: qu'est-ce qui a maintenu l'équipage de la navette en attente? Quel était cet objet? Ses mouvements écartent la possibilité d'un satellite ou même d'un reflet. Cet objet tubulaire semble observer la navette et ses manœuvres. Puis, progressivement, il s'éloigne jusqu'à disparaître. Toutefois, il ne s'agit pas là des seules images d'OVNI capturées durant cette mission. Les autres vidéos n'ont pas été rendues publiques. La navette Atlantis avait pourtant décollé sans avoir la moindre idée de ce qui allait se passer. A priori, il n'y a pas moyen de savoir à l'avance qu'on va être empêché de rentrer chez nous à cause d'un OVNI. Et c'est vraiment ce qu'il s'est passé. Un objet inconnu a barré le passage et ils n'ont pas pu revenir sur Terre. Enfin, en tout cas pendant 24 heures. Dès le premier jour de la mission, les rencontres étranges avaient commencé. 5 sphères de grande envergure avaient déjà attiré l'attention de l'équipage en début de mission. Le 14 septembre, à l'aube, tandis que les astronautes tentaient d'installer de nouveaux panneaux solaires, remarquèrent un objet. Soudain, de façon inexplicable, la transmission navette-terre a été rompue, et ce durant plusieurs minutes. Coïncidence? Qui peut savoir? En tout cas, c'est passionnant. Ce qu'il se produisit pendant les 13 jours qu'a duré la mission, des mots des astronautes, était juste extraordinaire. La rencontre avec des présences étranges lors de missions spatiales. La navette STS-115 fut capable de rassembler un grand nombre d'images d'OVNI. Durant toute sa mission, elle n'aura jamais été seule dans l'espace. Ces images révèlent tout de même une réalité dans l'espace. Il se passe des choses. Alors, est-ce que c'est des présences extraterrestres? Est-ce que ce sont des phénomènes naturels? Je pense qu'il n'y a que les principaux intéressés et ceux qui étudient vraiment le phénomène avec toutes les vidéos et les échanges radio, etc., qui peuvent répondre à cette question. Mais on se rend compte que le phénomène est de plus en plus récurrent et qu'aujourd'hui, les équipages n'ont pas peur d'en parler dans les médias. Ce qui est arrivé hors de la navette Atlantis ce jour-là est de l'ordre de l'extraordinaire. Mais la réaction de l'astronaute Stephanie Shine Piper l'est davantage lorsqu'elle a raconté avoir été si proche de cet objet en question. Je pense qu'elle va s'en souvenir longtemps quand même. Alors les scientifiques parlent de ce phénomène qui est relativement rare mais courant, de syndrome post-traumatique de certains astronautes qui parfois, après être revenus sur Terre, font un malaise le lendemain ou le surlendemain de leur mission. Donc en soi, le fait de s'évanouir quand on est astronaute et qu'on revient sur Terre, ce n'est pas quelque chose de rare. Il faut prendre ça en compte. Mais ce qu'il faut prendre encore plus en compte, c'est le témoignage édifiant des astronautes, notamment de cette femme. On a parlé de cette femme, mais des autres aussi ont été témoins de plusieurs phénomènes. Pourquoi ma lumière verte s'est éteinte? Bon, ben, je vais prendre une lumière plus classique. Ça va aller là? Ouais.
Ouais, bon, tiens, les câbles partout. Comme je le disais, ce qui s'est passé au final dans cette mission est peut-être pas si rare que ça, puisque la plupart des autres équipages des autres navettes ne communiquaient jamais là-dessus. Alors peut-être finalement qu'il se passe énormément de choses dans l'espace et qu'on l'ignore, ou peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose et que là, effectivement, ce qui s'est passé est juste extraordinaire. Quelque chose me dit qu'on n'aura jamais la réponse. J'espère que ce petit reportage vous a plu. En tout cas, c'est quand même une mission qui date d'un certain temps déjà. On en avait entendu parler un peu, mais là, on ne sait pas pourquoi, depuis quelques mois, on n'entend parler que de ça. Et donc, je trouvais intéressant de revenir un petit peu sur cette anecdote. Allez, on passe à la fac. J'ai une question. Une question de Abrechia, 2471. Je lis pas tout le message. J'ai une question, peut-être pourrais-tu y répondre mercredi. T'est-il arrivé des problèmes en enquête de style police, squatteur, drogué, etc. Si oui, peux-tu nous les raconter? Merci pour ta question, Abrechia. Oui, oui, ça m'est arrivé. Alors, ça ne s'est jamais mal terminé. J'ai déjà été pris par la gendarmerie. Mais il se trouve que ce soir-là, j'étais dans un château abandonné, qui n'était pas sur une propriété privée. Enfin, c'était pas un lieu où il y avait des barrières, interdiction d'entrée, où il y avait des choses comme ça. Le truc était ouvert aux quatre vents, donc on pouvait y accéder très facilement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que comme j'étais dans les lieux et qu'il était tard, il était près d'une heure du matin, et je balayais avec mes lampes torches, donc le château se trouve sur une petite colline complètement isolée. Mais en bas de la colline, il y a un village à peu près à 1 km, 1,5 km, et du village, on voit très bien le château. Et lorsque vous habitez le village, il est très facile de regarder et de voir le château et de voir des lampes torches qui balaye. Et du coup, un riverain du village a appelé la police, la gendarmerie, parce qu'il pensait que c'était des squatteurs ou quoi, parce qu'effectivement, dans ce château, ils ont des problèmes de squat, de dégradation, ce genre de choses. Donc, j'ai eu la visite d'une patrouille de gendarmerie. Je vous mets la séquence. Qui est là? J'ai des bouffées de chaleur tout d'un coup. C'est pas franchement ce qu'on raconte sur les esprits. Normalement, c'est du froid qu'on sent, mais tout d'un coup, j'ai une bouffée de chaleur dans la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah bonjour. Oh. Vous êtes tout seul? Oui, oui, je suis tout seul, je fais de l'urbex. C'est quoi? Explorer des lieux abandonnés comme ça. Et prendre des photos au film. C'est votre voiture? Oui, c'est ma voiture. Oui. Ok. Vous avez une pièce d'identité? Ah oui, bien sûr. Attendez. Vous habitez où? Bordeaux. Je vais m'éclairer, s'il vous plaît, merci. Okay. Vous avez la carte grise de votre véhicule? Oui, bien sûr, dans la voiture. Vous m'avez repéré de si loin que ça. Ah ouais. Un kilomètre de torche. Il y a des indices. Vous travaillez? Oui, oui. Vous faites quoi? Je suis professeur de Krav Maga. D'accord. Ok, c'est vous. Hop. À Bègle. Oui, c'est juste à côté de Bordeaux. Oui, je vois. C'est bon. Tenez, vous allez faire quoi? Merci. Ben là, j'avais prévu de camper dans les bois. Ouais, vous avez de quoi? Ouais, dans le coffre, ouais. J'ai mis un tarp, une bâche. Ok. Ok, ça marche. Ouais, parce qu'on a des squatteurs et puis un peu tout. Ah, ouais, je comprends. De toute façon, je vois, c'est la deuxième fois que je le visite. J'avais fait 2 jours une fois, il y a presque un an. Ouais. Et là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup plus de dégâts, des murs enfoncés. Ouais. Par contre, il y a des gens qui... J'ai vu qu'il y avait des cibles installées. Ouais. Et des gens qui tirent dessus, je sais pas. Après, on m'a dit que la gendarmerie venait ici s'entraîner de temps en temps. Aussi, ouais.
Ils sont venus il n'y a pas longtemps. Je voyais des cibles, des machins. Ok, bon courage à vous. Ben merci, bonne soirée. Vous avez bonne soirée. Tu es là trop. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, donc en ce qui me concerne, au niveau gendarmerie, ça s'est bien passé. Ensuite, au niveau squatteur, oui, j'ai rencontré plusieurs fois des squatteurs. Alors, je ne sais même plus dans quelle vidéo, donc je ne vais pas vous les mettre. Mais en gros, oui, ça m'est arrivé quelques fois. Voilà, quelques fois. Et à chaque fois, ça s'est très bien passé. Il suffit simplement de s'excuser. Voilà, il faut imaginer que le squatteur, lui, il vit là. Donc, il faut l'envisager comme étant sa maison. Donc là, vous êtes dans sa maison. Donc voilà, vous prenez ça en compte. Vous dites, excusez-moi, je ne veux pas vous déranger. Je fais de l'exploration. Je vais aller de l'autre côté. Je ne vais pas vous déranger. Voilà, et ça se passe toujours très bien. Le seul danger, c'est qu'effectivement, parmi les squatteurs, il peut y avoir un jour quelqu'un qui soit sous substance ou pas dans son état normal et ça pourrait peut-être dégénérer, etc. Mais on va dire, je ne me suis pas encore retrouvé dans cette situation. Merci pour ta question, Abrecia. La question merde. Jingle. Alors, alors c'est pas vraiment une question, hein, c'est surtout des commentaires, vous l'avez compris. Un commentaire de Juste Moi 3289. Alors déjà le nom, Juste Moi, je vous laisse juger de la personnalité de la personne. Honnêtement, nul en paranormal, car les entités sont dans les pièces de vie. Mais continue l'urbex. Et en plus, il fait de l'humour, comme c'est gentil. Alors honnêtement, nul en paranormal. Alors là, moi, je dis chapeau bas. Chapeau bas, mon ami. Chapeau bas, tu es très très fort, hein, puisque manifestement tu es capable de juger ce qui est pertinent, de ce qui est nul en paranormal. Ça veut dire que tu as la vérité, tu as certainement les réponses que tous les enquêteurs du paranormal du monde cherchent désespérément depuis des millénaires. Tu es un génie, tu devrais avoir le prix Nobel. De la connerie. Déjà, quand on dit nul en paranormal, c'est quand même un jugement très très hâtif. De quel droit peux-tu te permettre de juger de la méthode de quelqu'un? Tu ne peux pas, parce que personne ne sait comment à coup sûr contacter des entités. Il y a eu des phénomènes paranormaux dans des caves, il y a eu des phénomènes paranormaux dans des avions, il y a eu des phénomènes paranormaux dans des chiottes, c'est pas des blagues. Et pourquoi on va souvent dans les sous-sols pour chercher du paranormal? C'est parce que il paraît, et moi je n'affirme jamais rien en paranormal contrairement à toi, parce qu'il paraît que les endroits sombres et humides attirent les phénomènes paranormaux, ou en tout cas les entités seraient hypothétiquement plus à l'aise dans ces endroits-là. Ce qui ne les empêche pas de se déplacer. Tu vois, les entités, les esprits, les fantômes, si on y croit, ils se déplacent. Il y en a qui peuvent rester coincés à certains endroits, mais il faut imaginer qu'ils ne sont pas forcément tous prisonniers là, enfermés dans la pièce de vie. Donc ce que tu dis n'est pas idiot, mais c'est con. Enfin, tu vois le truc? C'est pas idiot parce que on peut imaginer que les pièces de vie sont plus fréquentées par les entités, ça je le conçois. Mais de dire qu'une méthode est nulle et que la seule façon de toucher des entités, c'est d'aller dans les pièces de vie, c'est de la connerie. Excuse-moi de te le dire, juste moi. Ça me fait rire ça, juste moi. Mais continue l'urbex. Ben non. L'urbex en tant que tel... Je trouve ça sympa, mais je ferai pas des vidéos là-dessus. Aujourd'hui, l'urbex, déjà l'urbex, juste pour la petite histoire, est beaucoup moins à la mode qu'il y a quelques années, qu'il y a 5 ou 10 ans. Vous ouvriez une chaîne d'urbex il y a 10 ans, vous cartonniez. Aujourd'hui, vous ouvrez une chaîne d'urbex, il n'y a plus personne. Enfin, presque plus personne. Les seuls urbexeurs qui arrivent encore à faire des vues, ce sont des gens qui ont commencé il y a quelques années. Mais aujourd'hui, tu fais une chaîne d'urbex, tu fais pas de vues, hein, ou très peu, parce que les gens sont habitués maintenant à l'urbex, ils savent ce que c'est, ils connaissent l'activité. Maintenant, ce que les gens, ce qu'ils veulent, c'est une plus-value. Qu'est-ce que tu vas faire en urbex? Ok, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ton urbex? Tu vois, tu vas chercher un trésor, tu vas chercher des esprits, tu vois, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je te raconte ça. Je te remercie pour ta question et juste pour, si tu te posais la question, est-ce que je l'ai touché dans son orgueil? Ben non. Il en faut beaucoup plus que ça pour me toucher. D'ailleurs, très peu de gens ont le droit de me toucher. Je dis ça, je dis rien. Je te fais un bisou sur l'arrêt du cul et je te dis peut-être à bientôt sur la chaîne. Samedi sort la vidéo avec les Ghost Ladies, surtout ne la manquez pas, il s'est passé des choses incroyables dans cet hôpital américain. Nous étions 3 enquêteurs plus une personne pour la sécurité. C'était du lourd. Ah, il faut que je vous montre un truc. Regardez. Désolé, c'est un peu le bordel. Voilà. Donc ça, ce sont mes bagages pour... la Transylvanie. Nous partons en Transylvanie avec Indiana Fraise et Esolf dans 5 jours. Alors, restez connectés. Ciao.